Vous savez pourquoi il n'y a pas de version mécanique du cerveau de Cthulhu? Eh ben d'après le lore, c'est la mécanicienne qui a fabriqué tous les boss mécaniques quand elle était enfermée dans le donjon, mais le joueur l'a sauvée juste avant qu'elle ait pu construire un cerveau mécanique. Et sinon officiellement, c'est parce que les boss mécaniques sont arrivés en version 1.1 et le cerveau de Cthulhu en version 1.2. En tout cas sur ce, voici le guide. Salut, bienvenue pour ce 9ème guide Terraria sur le 2e-3ème boss du jeu, le cerveau de Cthulhu. C'est l'équivalent du Eater of Worlds pour le Crimson, donc vous pouvez pas l'invoquer dans le monde avec la corruption, du moins avant de faire un biome artificiel une fois en World Mode. Lui aussi, vous pouvez l'invoquer uniquement dans le Crimson, et il despawnera si vous vous rendez dans un biome qui n'est pas le Crimson ou la corruption. Vous pouvez l'invoquer soit avec son objet d'invocation, soit en brisant 3 Crimson Earths, qui sont l'équivalent du Crimson des Shadow Orbs, on les trouve dans les cavernes du Crimson, enfermées dans de la roche qui est incassable à ce stade du jeu, sauf avec des bombes ou de la dynamite, ou alors en la transformant en pierre normale à l'aide de poudre de purification. Son objet d'invocation se fait avec 15 vertèbres qui sont droppées par la plupart des ennemis du Crimson, et avec 30 Vicious Powders, on peut en fabriquer 6 avec un Vicious Mushroom qui pousse l'herbe du Crimson, et ça s'achète aussi à la dryade pendant l'une de sang. Durant le combat, le boss aura deux phases. Pendant la première, il est complètement invulnérable, mais il aura invoqué 20 yeux, qui s'appellent les Creepers, mais on restera sur les yeux. Eux vous pourrez les tuer, et ils vont faire un mouvement de va-et-vient entre vous et le boss jusqu'à ce qu'il meure. Ils infligent pas beaucoup de dégâts, mais en mode expert master, dès qu'ils vous touchent, ils vous infligeront toujours un debuff aléatoire parmi ceux-là. Mettez en pause si vous voulez tout lire. Ils ont aussi une chance sur deux de dropper un cœur s'il vous manque de la vie. Pour ce qui est du cerveau, lui va se téléporter un peu partout autour de vous. Alors il pourra pas se téléporter directement sur vous, mais il pourra juste à côté, donc si vous vous dépassez vite à ce moment-là, il y aura une chance que vous lui rentriez dedans et donc de prendre des dégâts. Une fois que vous avez tué tous les yeux, il passera en deuxième phase, et là vous pourrez l'attaquer, et il sera même sensible au recul. Il va se téléporter proche de vous dans une de ses 4 positions, et vous chargera pendant quelques secondes avant de se téléporter à nouveau. En mode expérimenteur, s'il vous touche, il aura une chance sur 3 de vous appliquer les mêmes debuffs que les yeux, et surtout, il fera apparaître 3 images miroirs transparentes et invulnérables aux positions auxquelles il n'est pas, et plus il perdra de la vie, plus les images seront opaques, ce qui les rendra de plus en plus difficiles à différencier du vrai boss. La meilleure stratégie pour ce combat est d'utiliser une arme qui fait des dégâts de zone pour s'occuper des yeux, et une arme rapide ou moyennement rapide mais avec beaucoup de recul pour le cerveau en deuxième phase. Ensuite, si jamais vous jouez en mode expert ou master, surtout master, vous avez des moyens d'optimiser beaucoup plus le combat, et ce de façon assez inhabituelle. En général, pour la plupart des boss, il faut rester en mouvement constant, sinon on est à peu près sûr de se faire toucher, mais pas avec ce boss. Pour sa première phase, vu que les yeux font des mouvements de va-et-vient entre vous et le boss, si vous restez immobile au moment où ils partent vers vous, ils seront parfaitement alignés et vous pourrez leur mettre énormément de dégâts. Et si vous infligez assez de recul, ils vont même retourner directement vers le boss sans vous atteindre. En plus, quand le boss se téléporte, il a une chance d'apparaître très près de vous, donc si vous êtes en mouvement, vous risquez de prendre des dégâts de contact. Et c'est encore plus vrai pour la deuxième phase. Dans ce cas-là, le mieux est de s'arrêter quand il se téléporte, et de partir dans la direction opposée du boss une fois qu'il est apparu, sans faire attention aux images miroirs, vu que, comme c'est des images miroirs, si vous vous éloignez du boss, ça vous éloignera aussi d'elle. Ensuite, il faut s'arrêter dès que vous êtes à bonne distance du boss ou qu'il est sur le point de se TP. Le plus efficace est d'utiliser un dash, ça permet d'être assez réactif, et ça éloigne beaucoup. Par contre, c'est à éviter si vous combattez en mêlée pure, sinon vous pourrez peut-être plus l'atteindre avec votre arme. Ensuite, et uniquement pour ce boss, je conseille de faire vos étages de votre arène à distance de saut et pas plus. Ça c'est parce qu'en phase 2, vous allez vouloir attaquer le boss constamment pour le tenir à distance de vous, donc si vous prenez le temps de viser en direction opposée pour envoyer un coup de grappin, vous serez exposé et à la moindre erreur, vous vous ferez toucher. En ce qui concerne l'arène, vous pouvez tout autant la faire en soutien qu'en surface, vu que les cordes du Crimson sont plutôt grandes, mais vous voudrez peut-être les agrandir un peu à coup de bombe selon la difficulté. Mais si vous faites une arène en surface, n'invoquez pas le boss en cassant les cœurs, car ils sont particulièrement loin de la surface, et vu que le boss se TP, c'est quasiment impossible de faire tout le trajet sans se faire toucher. Sachant qu'un des debuffs possibles est Blindness, qui rend votre vision beaucoup plus sombre, pensez à couvrir votre arène de torches, ça nullifiera complètement son effet. Et pour le reste de l'arène, suivez mon guide sur le sujet, sauf pour ce qui est de l'écartement des plateformes. Et aussi, tout comme Eater of Worlds, les yeux peuvent dropper des minerais de cryptane et des morceaux de tissu, qui sont les matériaux nécessaires pour atteindre le prochain tiers d'équipement. Donc lui non plus, vous avez techniquement pas besoin de le tuer pour y accéder. Pour ce qui est de l'équipement, on reste sur le classique, bottes d'Hermès et nuages en bouteille, ou équivalent, et même des rocket boots si vous les avez. Pour l'armure, pour être tranquille, prenez au minimum un set de tier 3. Alors c'est tout à fait faisable en prenant une armure inférieure, mais bon, les tiers 3 et 4 sont largement meilleurs et aussi tout aussi faciles à avoir, voire plus. Un grappin sera pas forcément nécessaire pour ce boss, mais c'est toujours bien de l'avoir en cas où. Et pour les potions, le kit de base, régène, vitesse, pot de fer, soins et mana si besoin, et tout le reste est en bonus. Maintenant voici une démonstration du combat que j'ai tourné en live. Comme équipement, j'avais exactement le même que pour le combat contre Eater of Worlds, à savoir mon arc en tungstène, des flèches du bouffon, une armure en fer, 200 PV, des bottes d'Hermès, un nuage en bouteille et un grappin, et aussi des potions de soins faibles. Évidemment, c'était en mode master. Allez, essai numéro 17, la victoire est présente.
Faudrait que je teste s'il y a mon son ou pas. Ah ouais, faut vraiment que je teste s'il y a mon son. Ouais, je ferai ça juste après en fait. Si je réussis ce fight et qu'il n'y a pas mon son, je vais chialer. Hein. Je vais profondément chialer. Ce serait vraiment une bonne grosse blague, mais c'est vrai qu'en plus en ce moment mon micro fait des choses bizarres. Donc il faut que je prenne ça en compte. Là il s'est vu où c'était là-bas, parfait. Là j'ai fait un jeu un peu comme un coin. Faut que je me reconcentre un peu, allez. Je retryhard, c'est parti. Voilà, là, le statique, le léger statique, parfait. Le statique il m'a bien aidé ce coup-là. Le statique à nouveau, lui il me fait peur, statique, esquive, parfait, bon, moi j'ai pas besoin de sauter, mais au cas où, on sait jamais, moi j'ai le réflexe, c'est bien le réflexe, le statique c'est bien, continuation, statique, non, on esquive ce coup-là, statique maintenant, léger décalage, comme ça on esquive les projections, ça marche bien, c'est l'espèce de semi-statique, c'est vachement bien, et là je me casse, oh, vraiment j'ai raté mon esquive, fais chier, non. Attends, je suis con, j'ai sauté, après j'ai voulu esquiver sur le côté, du coup, vu qu'il était dans la plateforme, j'ai pas pu faire un boost au grappin. Non, là, je suis un petit peu con. Putain, je suis vraiment le con, là. Ok, tout est pas là. Enfin, là-bas, en fait, ça va. Je pense que ce serait pire, mais non. Ok, je suis un peu empoisonné, mais on s'en fout, je suis pas lenti, je suis pas confus. Ok, on s'en fout de ça. Vraiment, j'ai pas réussi à esquiver ça. Ça m'aide bien, ça m'aide vraiment ça. J'espère que j'ai mon son. Ah, il est là. J'ai fait le premier tir, allez. Allez, je tryhard. Je vais gagner. J'ai plus droit à l'erreur. Oh si, j'ai droit à l'erreur. Je sais pas. Non, j'ai plus droit à l'erreur. Ça y est, Sophie, j'ai plus droit à l'erreur. Il est là. Il est où, il est lequel? Et voilà pour ce boss. La prochaine fois, ce sera soit sur le Dirclops, soit sur la reine des abeilles. Demain, il y aura normalement le mini-guide sur les potions. Et la semaine prochaine, sûrement aussi un mini-guide sur la pêche. Si vous avez des questions ou que j'ai fait une erreur, dites-le en commentaire. Et sur ce, adieu.